Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on est parti pour le 7ème épisode de Je Note Voilaille. Donc on est parti directement, on a vu la petite intro. Donc pour l'intro je vais mettre un 3 sur 5, ça peut être plus travaillé je pense en créative, mais franchement elle est quand même assez propre. Si jamais vous voulez participer dans le prochain épisode, n'hésitez pas, tout est expliqué en description, tout le monde peut participer. Donc déjà c'est cool, c'est qu'il y a une très bonne qualité d'image, donc là ça va être un 4 sur 5. C'est pas un 4K, c'est pour ça que je mets pas un 5 sur 5, mais franchement c'est de très très bonne qualité. Et pour la musique et le son, j'y vais mettre je pense un petit 4 sur 5, parce qu'il y a une très bonne musique, le son il est quand même propre. Il est en HD, il n'y a pas de son parasite ou quoi que ce soit. Il y a des réactions, donc c'est assez cool. Par contre, je mets pas un 5 sur 5 parce que je pense que tu pourrais te perfectionner en ajoutant les tirs toi-même en plus quand tu tires aux pompes ou quand tu tires au snipe, comme là par exemple. Pour vraiment faire ressortir le coup snipe ou le coup de pompe. Donc vraiment un effet assez sympa. Pour ce qui est du montage, je pense que je vais te mettre un 4 sur 5 aussi. Franchement, il est ultra bien fait. Il y a plein d'effets qui sont ultra bien faits. Pareil pour les transitions. Donc je mets pas un 5 sur 5 parce qu'il n'y a pas de trucs ultra créatifs. C'est des effets qu'on voit quand même un petit peu de partout, mais ils sont franchement très bien réalisés. Les clips sont franchement assez sympas, il y a pas mal de snipers, c'est cool parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de pompes. Maintenant c'est pas non plus des clips ultra impressionnants, mais ils sont quand même cool à regarder, donc je vais te mettre un 3 sur 5 pour les clips. Donc si on arrondit tout ça et colmé sur 10, ça fait un 7 sur 10, donc GG à toi pour ce highlight, il était vraiment très cool à regarder. Donc comme le petit like, on n'oublie pas, si vous voulez faire pareil dans la vidéo, ça me fera super plaisir, donc n'hésitez pas à liker. Donc on est parti avec le deuxième qui est par Arox. Donc l'intro on vient de la voir, elle est assez basique. Le texte n'est pas ultra travaillé, donc je pense que je vais mettre un 2 sur 5. Pour ce qui est de la qualité, on la voit aussi, c'est pas en HD. Maintenant on arrive quand même à dissimuler, c'est pas non plus filmé avec le portable. Donc je pense que je vais mettre un 2 sur 5. Pour ce qui est des musiques, franchement la musique en fond elle est vraiment très cool. Maintenant je pense que tu aurais pu rajouter par exemple, comme tout à l'heure, des tirs aux pompes, etc. par dessus la vidéo. Tu aurais pu aussi travailler les réactions parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qu'on n'entend pas bien, donc elles sont pas forcément très utiles. Donc c'est pour ça que je vais te mettre pour le son un 3 sur 5. Pour le montage, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'effets, donc c'est cool parce que t'as essayé de mettre des effets, t'as essayé d'être original, etc. Là par exemple, t'as mis une couleur correction, etc. Maintenant, les effets ils sont pas ultra bien réalisés non plus. J'ai envie de mettre 3 en fait, mais c'est peut-être beaucoup 3, donc je sais pas. Je vais dire 3 sur 5 pour être gentil. Je pense que ce serait plus un 2,5 sur 5, mais je préfère arrondir à chaque fois, donc 3 sur 5. Tu es un. Oh non, il est mort après, ah c'est trop dommage. Pour ce qui est des clips, c'est des clips assez basiques. Après, c'est cool parce qu'il y a de tout. Il y a du créatif et il y a du online aussi, je crois. Donc, je pense que pour les clips, ça va être pareil. Ça va être du 3 sur 5. Donc, au total, ça fait du coup un 5 sur 10. Franchement, le highlight, il est cool. Maintenant, je pense que tu peux travailler pas mal de trucs, que ce soit au niveau de la qualité ou même au niveau du montage. Mais en tout cas, GG à toi parce qu'il est quand même assez cool. Donc, le troisième highlight. Donc là c'est une intro qui a été travaillée en créatif plus le texte qui a été ajouté. Ça, c'est cool. C'est dommage que ça soit flou là. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est pour mettre le texte, mais je pense que tu aurais pu faire une transition flou, pas flou quand il n'y a pas le texte. Bon, pour l'intro, je pense que je vais te mettre un 3 sur 5 parce que tu as quand même travaillé en créatif. Le texte, il est cool. Maintenant, je pense que c'est un petit peu dommage pour le flou. Ça t'aurait permis d'avoir le petit 4 sur 5, je pense. Donc, au niveau de la qualité, ça va. Franchement, c'est assez de bonne qualité. On dissimule bien les choses. J'irai 3,5 sur 5, mais comme j'arrondis, je vais mettre 4 sur 5. Au niveau de la musique, c'est une musique que j'entends pas spécialement beaucoup. Donc, c'est déjà assez cool. Je pense que tu gagnes un point sur ça. Ok, t'as essayé de faire un changement de musique. Je pense qu'il peut être vachement plus travaillé. Pareil, je pense que tu peux travailler plus vraiment les clips en fonction de la musique pour vraiment tirer en même temps qu'il y ait un drop. Je pense que tu l'as un petit peu travaillé quand même là. Donc je pense que la musique, ça va être un 3 sur 5. Pour ce qui est du montage, j'ai vu que t'avais essayé de mettre des ralentis. Ils sont pas ultra bien fluides les ralentis, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est cool. Genre là, par exemple, là, l'effet que t'as mis, il est franchement sympa. Le ralenti puis rapidité comme ça d'un coup, il est vachement, vachement cool. Maintenant, il n'y a pas énormément d'effets, à part pour l'intro et pour l'outro qu'on vient de voir. Donc pour le montage, je vais mettre un 2 sur 5. Pour les clips, ils sont assez sympas, il y a de tout, du créatif, du online, de l'arène même. Donc ça va être un 3 sur 5, ils sont assez cool. Du coup, ça fait un total de 6 sur 10. GG à toi. Donc là, on peut voir que ça a également été travaillé en créatif. Il y a le texte qui a été aussi travaillé, c'est pas non plus ultra bien réalisé. Là, le zoom s'est arrêté, etc. J'aurais dit un 2,5 sur 5, mais du coup, je vais arrondir et ça va être un 3 sur 5. Pour ce qui est de la qualité, franchement, on arrive bien à dissimuler, c'est pas trop pixelisé, etc. C'est pas en 4K, donc je vais mettre un 4 sur 5. Donc la musique, elle est assez cool, honnêtement. Les clips maintenant ne sont pas en relation avec la musique quand il y a un drop ou quoi. Il n'y a pas de tir en relation, etc. Donc assez basique, je pense que je vais mettre un 3 sur 5. Donc il y a des transitions, mais elles sont, on va dire, assez basique, c'est vraiment des trucs qui sont pas ultra bien travaillés non plus. Donc je pense que tu peux vraiment travailler au niveau de ça, rajouter des effets, des fonds verts, etc. Donc je pense que pour le montage, ça va être un 2 sur 5. Pour les clips, franchement, pour l'instant, ils sont vraiment assez cool. Il y a beaucoup de snipers. T'as eu chaud là. Là, tu mets vraiment des vraiment beaux clips. Je pense que pour les clips, je vais te mettre un 4 sur 5. Et du coup, au total, ça fait un 6 sur 10. Franchement, le montage, il est assez cool. Donc, encore une fois, GG à toi. Je pense que c'est le pire passage à un autre montage qu'on peut avoir, quoi.
On arrive au cinquième highlight. Donc là, c'est de très bonne qualité. C'est pas un 4K encore une fois, donc ça va être un 4 sur 5 déjà pour la qualité. Donc l'intro a été vraiment ultra basique. Donc là, ça va être un 2 sur 10. Je pense que tu peux vraiment travailler en créatif ou quoi. Les effets que t'as mis là, ils sont franchement assez cool déjà. Là, sur les côtés et tout, franchement, déjà, c'est cool. Oh, c'était assez cool, franchement, cette transition. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les effets là. Ouais, je pense que pour la musique son, tu peux plus travailler, je pense, les relations avec les drops sur les musiques. Donc je pense que je vais te mettre un 3 sur 5 pour la musique. Ouf. Je l'ai tué, je sais pas combien de mettre. Les clips sont vraiment sympas, je pense que pour les clips je te mets un 4 sur 5. Et les effets, pareil, franchement je les kiffe vraiment beaucoup les effets que tu mets. Donc je vais mettre 4 sur 5 aussi. Ah, franchement, le fait de ralentir la musique et tout, de la remonter comme ça, de diminuer le son et de l'augmenter après, ça rend vraiment trop trop bien. Ah ouais, franchement, t'es bon, hein, même en construction et tout, franchement, GG à toi. Hein. Du coup, sur 10, ça fait un 7 sur 10, donc franchement, c'est une très bonne note, donc bravo. Allez, on est parti avec une autre intro. Donc, c'est une intro assez basique, mais elle a quand même été travaillée en créatif. Le logo Twitter, il est un petit peu bugué, c'est dommage. Le texte, il est pas ultra bien travaillé non plus. Je pense que t'as juste mis du texte normal. Mais franchement, c'est déjà assez cool d'avoir travaillé ton intro en créatif. Donc, ça va être un 3 sur 5 pour l'intro. Déjà, la qualité, c'est un petit peu pixelisé, c'est dommage. Mais ça va quand même, on arrive quand même à bien dissimuler. Donc, ça va être un 3 sur 5 pour la qualité. La musique, bon, bien sûr, ultra connue GTA, mais franchement, elle passe trop bien dans les highlights. Donc, elle est vraiment cool. Bon, maintenant, elle est pas travaillée en fonction des clips, c'est dommage. Donc, ça va être un 3 sur 5. Parce que du montage et des clips, le montage t'as mis quand même pas mal d'effets, les ralentis, etc. Maintenant ils sont pas non plus ultra bien réalisés, mais franchement ils sont quand même bien faits, hein, mais ils peuvent être mieux faits, je parle des ralentis surtout. C'est cool, en vrai c'est pas ultra bien réalisé, mais c'est innovant, donc c'est franchement trop bien. Ça peut être vachement mieux amélioré en travaillant sur comment bien réaliser un effet, etc. Mais au niveau de l'innovation, c'est ultra bien fait, je pense, c'est pour ça que tu gagnes des points. Donc je mets 4 sur 5 pour le montage. Donc, du coup là t'as mis ton outro, mais je pense que t'as oublié de mettre les liens pour cliquer sur les autres vidéos, parce que c'est flou, etc. Donc, je pense que c'était pour ça, mais t'as oublié. Enfin, c'est dommage, bref. Les clips sont assez cool, donc ça va être un 3 sur 5 pour les clips. Donc ça fait un total de 6 sur 10, donc encore une fois, bravo pour ton highlight. Bon, du coup, l'intro, il n'y a pas de créatif. T'as fait une faute d'orthographe un peu sur le edit by B. Je pense que tu t'es trompé sur deux lettres. Donc, soit peut-être t'as pas relu, soit tu t'es trompé, je sais pas. Mais en tout cas, l'intro, malheureusement, ça va être un 2 sur 10. Pour ce qui est de la qualité aussi, c'est vraiment pixelisé. Donc, c'est dommage. Je pense que ça va être un 2,5 sur 10, voire 2 plus un 2 sur 10. Un 2 sur 5, pardon. Donc, pareil, la musique, elle n'est pas travaillée en fonction des clips. C'est dommage. En plus, on n'entend pas le son du jeu. Donc, malheureusement, ça va être un 2 sur 5. Pour ce qui est du montage, j'ai vu que t'as essayé de mettre des transitions, etc. Maintenant, ils sont pas de très bonne qualité, mais le principal, c'est vraiment d'essayer, donc c'est le plus important. Donc je pense que pour le montage ça va être un 3 sur 5. Mais non. Oh bien joué, attends, Henri, il est beau ce clip. Mais du coup, pour les clips, je pense que ça va être assez basique. Ça va être un 3 sur 5, ils sont cool. Et du coup, au total, ça fait un 5 sur 10. Bon, bien sûr, à chaque fois, j'arrondis. Si jamais, des fois, ça fait des 4,8 sur 10. Mais à chaque fois, j'arrondis. Donc, ça fait un 5 sur 10. Donc, GG à toi. Je pense que tu peux travailler franchement pas mal de trucs pour améliorer tes highlights. Alors, on est parti pour un prochain highlight. Donc là, il n'y a pas du tout d'intro, je crois. On va attendre un petit peu. Peut-être qu'il a mis après. Des fois, il y en a qui font ça. Ça peut rendre bien aussi. Hein. Bon, bah, du coup, c'est dommage. Il n'y a pas du tout d'intro. Donc, ça va être un 0 sur 5 pour l'intro. La qualité, malheureusement, c'est encore une fois pixelisé. Donc, c'est vraiment dommage. Ça gâche vraiment les highlights. Donc, ça va être un 2 sur 5 pour la qualité. Parce que c'est vraiment pixelisé, malheureusement. La musique, je trouve ça trop cool de mettre des musiques comme ça, assez chill, assez triste, on va dire. Ça peut rendre vraiment des highlights vraiment cool, vraiment calme, vraiment chill, etc. Donc, la musique, j'aime beaucoup. Allez, pas en relation avec les clips. Le son du jeu, il est vraiment très très léger. On l'entend quand même, mais vraiment très légèrement. Pour la musique, ça va être un 3 sur 5. Donc pour ce qui est du montage, je pense que t'en as pas du tout fait. T'as juste enchaîné les clips. Bon, maintenant c'est cool quoi, c'est un highlight. Mais je pense que tu peux ajouter des petits effets, des petits fonds verts, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour vraiment donner vraiment un effet émotionnel à ton highlight. Donc là, ça va être un 2 sur 5 parce qu'il y en a vraiment quasiment pas. Donc le dernier truc à noter, c'est les clips. Ils ont l'air franchement assez cool, mais pour l'instant je crois qu'il y a que du créatif. Et ça, encore une fois, c'est dommage parce que c'est vrai que le faire en multijoueur ou en arène, c'est encore mieux parce que c'est encore plus impressionnant. Bon, mais les clips, voilà, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu regardé tout le highlight. Il y a que du créatif, c'est vraiment dommage parce que tu devrais mettre un petit peu plus de online, de arène, etc. Tu devrais travailler aussi la qualité du rendu de ta vidéo et rajouter quelques effets. Ça rendrait vraiment quelque chose de pas mal, je pense. Surtout avec le choix de la musique que t'as fait, je pense que ça peut être quelque chose de cool. Donc pour les clips, ça va être un 3 sur 5.
Donc au final du coup ça fait un 4 sur 10, donc comme je te l'ai dit, je pense que tu peux travailler pas mal de choses. On est parti déjà avec l'avant-dernier highlight, donc on peut voir qu'il a été un créatif. Le texte est vraiment un texte par défaut, c'est dommage, maintenant il a eu le créatif, il a mis du texte, donc déjà ça fait 2 points en plus. C'était assez sympa, donc on va mettre un 3 sur 5. Pour ce qui est de la qualité, malheureusement, c'est pas pixelisé ni quoi que ce soit, mais il y a des bandes noires à droite à gauche, et franchement ça ruine la qualité du highlight. C'est vraiment dommage, donc je vais mettre un 2 sur 5. La musique, je la kiffe trop, pour ceux qui me suivent depuis il y a un moment, c'était la musique de mon outro avant, donc je kiffe trop cette musique, donc tu vois, déjà tu gagnes un point pour ça. Après c'est pas du tout en relation avec les clips, c'est encore une fois dommage. Donc ça va être un 3 sur 5. Pour le montage, je pense que tu as essayé de mettre pas mal d'effets. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'effets de fond vert, des transitions, etc. Donc c'est cool parce que tu essayes et ça c'est vraiment bien. Ce que je préfère moi, c'est de voir quelqu'un qui essaye. Donc je pense que ça mérite un 3,5 sur 5. On arrondit à 4. Les effets sont pas de très bonne qualité, ils sont pas positionnés au bon moment. Mais tu as essayé d'en mettre, t'en as mis plein, etc. Donc c'est cool, 4 sur 5. Le clip il était assez long, honnêtement. Je pense que je vous l'aurais coupé vous au montage, mais on a vu vraiment toute l'action où il se passait rien pendant au moins 10 secondes. Donc c'est vraiment dommage de mettre des clips en entier, il faut vraiment couper les meilleurs moments. Après il n'y a que du créatif, maintenant les clips ils sont quand même assez cool, tu mets quand même des bons 200, bon là tu l'as mis en 80, mais tu mets quand même des bons clips même si c'est que en créa. Donc pour les clips, je pense que je vais mettre un 3 sur 5 parce qu'il y a vraiment trop de créatifs, enfin, il n'y a pas de multijoueur, mais les clips sont quand même assez sympas. Du coup au total ça fait un 6 sur 10, il y a beaucoup de fausses notes au final. Je verrai, dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien ce format parce qu'il change de d'habitude. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça je réfléchirai si je le rechange un petit peu, si je l'adapte pour les prochains épisodes. Mais en tout cas, là ça fait encore une fois un 6 sur 10, donc bravo quand même à toi. Et on est parti avec le dernier highlight, donc c'est Skies qui le fait, donc il est allé en créatif, il a mis du texte qui bouge, etc. Il a travaillé son texte, c'est cool, ça peut être vachement plus amélioré en termes de qualité. Ça aurait pu être en plein écran, c'est vraiment dommage aussi. Je pense que je vais te mettre 3,5 sur 5, donc ça fait 4. Au niveau de la qualité, bon, c'est pas en 4K, mais c'est de très bonne qualité, donc déjà ça c'est un 4 sur 5. Il est vraiment cool l'effet que tu viens de mettre là, celui-là là. Franchement c'est cool, je vois pas souvent, mais franchement c'est très cool. La musique elle a l'air quand même assez synchronisée avec... Non, franchement, ça a l'air bien synchronisé, je pense que tu l'as fait exprès. Donc ça, c'est vraiment cool, la musique, elle est cool aussi, donc ça va être un 4 sur 5 pour la musique. Pour le montage, t'as mis aussi des effets assez cool, bah, comme j'ai dit tout à l'heure. Les transitions aussi sont assez cool. J'aime beaucoup, franchement, je pense que ça va être un 4 sur 5 pour le montage. Ouais, c'est cool parce qu'il n'y a pas que du créatif, il y a aussi de l'arène, même s'il y a beaucoup plus de créatif. C'est cool parce qu'il y a quand même de tout. T'as l'air d'avoir de bonnes mécaniques, donc franchement c'est cool, les clips je pense que je vais mettre un 4 sur 5. Et du coup je viens de me rendre compte que je t'ai mis je crois que des 4, je crois il me semble, donc au final ça fait un 8 sur 10, donc franchement un GG à toi, je crois que c'est la meilleure note de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez vous. Et puis voilà, en tout cas on touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi tout ça en commentaire, et puis on se retrouve pour un prochain épisode ou d'autres vidéos, c'était Hydrogène, passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao les gars. Jump. And you might think, what if I fall?